Amis téléspectateurs, bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau dès maintenant, l'émission qui revient avec plaisir et avec vous sur l'actualité politique de la semaine. Vous connaissez le principe, hashtag, et maintenant si vous souhaitez réagir. Aujourd'hui, c'est un casting 5 étoiles sur ce plateau. Ils ont l'art, ils ont la manière, ils sont très intelligents. Je vous présente mes invités, Fabrice d'Almeida, historien, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président Panthéon Assas, je renvoie à votre livre, L'histoire mondiale des riches, ça vient de paraître chez Plon. Merci d'être avec nous, à côté de vous. Jonathan Boucher-Petersen, bonjour. Bonjour. Éditorialiste politique à Libération. Valérie Lecable, présidente de HK Stratégie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alexandre Devecchio, rédacteur en chef adjoint au Figaro. Vous avez publié Recomposition, le nouveau monde populiste. C'est aux éditions du CERF. Merci d'être sur ce plateau. Dans cette émission, on se demandera si les hommes politiques peuvent tout dire, mais vraiment tout, au Parlement, du moment qu'ils rendent des comptes à leurs électeurs. Ah, et quand ils sont au gouvernement, peuvent-ils vraiment tout faire? On reviendra sur la convocation d'Édouard Philippe devant la justice. On se demandera enfin si les jours de la NUPES sont comptés et si l'héritier d'Emmanuel Macron sera forcément de droite. Merci, président Larcher. Mais d'abord, retour sur la scène médiatique pour Emmanuel Macron. Il n'avait pas accordé d'interview depuis trois mois, le chef de l'État s'est prêté à l'exercice mercredi sur France 2. Au menu, beaucoup d'Ukraine et un peu de crise des carburants. Écoutez. Je pense qu'il faut qu'on s'apprête à passer l'hiver dans ce contexte de guerre. Nous le savons, elle va durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais ce que nous voulons faire, c'est aider les Ukrainiens à résister, garder l'Europe unie et bâtir les conditions pour qu'à un moment donné, parce qu'ils jugeront que les conditions sont là, ils se mettront autour de la table pour négocier avec la Russie le retour à la paix, que la CGT permette au pays de fonctionner et que dans une entreprise où un accord majoritaire est signé, elle le respecte. Je suis pour le dialogue social, je suis pour le respect de tous nos droits constitutionnels, je suis pour la négociation, jamais pour le blocage. Comment peuvent le comprendre nos compatriotes? Et moi, quand on parle de tout ça, j'ai surtout une pensée pour l'ensemble de nos compatriotes qui font des queues au milieu de la nuit pour trouver de l'essence. Jonathan, c'est une intervention réussie de la part d'Emmanuel Macron. Il a créé l'événement, pour reprendre le titre de cette émission. Je ne suis pas sûr que ça a été un événement médiatique ou politique majeur. En revanche, oui, il était utile qu'ils prennent le temps de parler. Après, il y a un petit peu eu une sorte de complications sur le chemin de fer, puisque c'était censé être une émission exclusivement sur l'Ukraine. Évidemment que c'est rattrapé par l'actualité sociale et la cocotte minute de cette rentrée. Donc il était important qu'il parle. C'est vrai qu'il a pris l'habitude de plus trop parler sur la scène nationale, en tout cas depuis sa réélection. Il y a évidemment beaucoup de sujets internationaux, mais quand on est hyper-président par nature autant que par institution, c'est vrai qu'on ne peut pas demander à Elisabeth Borne d'avoir le poids politique qu'elle n'a pas. On ne peut pas demander à des ministres de remplacer un président qui décide de tout. Donc il était assez légitime, oui, qu'il vienne d'une certaine manière. Il a été forcé en quelque sorte de revenir sur la scène nationale. C'est utile pour lui. Pour l'instant, c'est resté un petit peu stérile quand même sur les sujets nationaux. C'est-à-dire qu'à part l'idée que je suis pour la négociation, si c'est ça la punchline, effectivement, c'est un peu léger. Et puis on rappellera que pour négocier, il faut être deux. Je ne suis pas sûr que du côté de la direction de Total, on ait absolument joué le jeu de la négociation. Trois mois sans interview. Vous êtes d'accord, il avait besoin, c'était une nécessité de revenir maintenant pour prendre la parole, pour s'expliquer sur ses orientations, notamment en matière de politique internationale. Je pense qu'il a été un peu piégé par l'agenda, parce qu'il était prévu d'avoir justement un rôle en surplomb où il aurait fait de la politique étrangère, et il a été rattrapé par l'actualité du pays. Et d'ailleurs, peut-être que j'aurais été la chaîne, j'aurais exigé de commencer plutôt par l'actualité nationale et de faire la deuxième émission sur l'international. Là, il a pu brouiller un peu les pistes, mais je crois que la préoccupation des Français aujourd'hui, c'est effectivement l'inflation, les pannes d'essence... et que oui, c'est lui le chef de l'exécutif, d'autant plus qu'il a un dispositif où il a pris une première ministre qui a très peu de poids, un gouvernement technocratique, donc il faut bien quelqu'un pour incarner, donc oui, c'est le président de la République. Maintenant, ça l'expose, il a pris des risques, il a expliqué que la situation serait réglée dans le courant de la semaine prochaine. Voilà, maintenant, il faut que ce soit suivi des actes. Je pense que les hommes politiques devraient rarement prendre des dates, à part quand ils sont
sont absolument sûrs d'avoir raison. Donc l'avenir dira si c'est le cas ou pas. On va revenir sur le fond, mais sur la forme, un président qui s'invite en quelque sorte à la télé, qui choisit ses thèmes, qui choisit même ses cartes, on a vu, hein, il projetait ses graphiques sur le plateau. Ça vous étonne, Valérie, ou c'est quelque chose de normal finalement? Écoutez, je suis assez partagée parce qu'en même temps, j'ai trouvé que c'était une belle émission, très classe, avec ce fond noir. On parle de la forme justement et que ça le situait effectivement, comme disait Jonathan tout à l'heure, un petit peu au-dessus de la mêlée, et je pense que c'était l'objectif. C'est vrai que la France a souffert beaucoup du blocage de l'essence, mais c'est vrai aussi que ce qui se passe en Ukraine est sacrément important et peut-être plus important que de savoir si on peut ou pas aller mettre de l'essence dans sa voiture. Et du coup, sur le papier, l'intention, je la comprends et elle était bonne. Le résultat, je suis extrêmement mitigée. Je trouve que du coup, il a été hors sol tout le début de l'émission parce que effectivement, ce mercredi-là en particulier, les gens, en même temps, on a vu des images de gens. Il y a quelqu'un qui a reçu un coup de couteau parce qu'il pouvait pas remplir sa bagnole. Un autre homme qui a projeté une femme sur une voiture. Donc, c'était absolument pas l'ambiance. Il était complètement à côté de l'ambiance de la journée, ce qui est difficile à anticiper, mais ça ne l'a pas aidé, en fait, je pense, dans son exercice. Et juste pour terminer, je trouve que sur la partie française, il a dit « je suis pour le dialogue, je suis pour le dialogue », mais tout en expliquant qu'en gros, le sujet ne le concernait pas et que c'était un sujet entre le patron de Total et ses salariés. C'est aussi une manière pour Emmanuel Macron de se recentrer, de revenir au centre du jeu, alors qu'on parle depuis la rentrée, simplement, entre guillemets, des oppositions du Parlement, Fabrice. Vous avez remarqué, on n'a pas fêté les 100 jours. Très souvent, quand il y a un nouveau président qui est élu, au bout de 100 jours, il y a une espèce de premier bilan, d'analyse. Il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ça et je pense que c'est ce qui l'a poussé à vouloir faire un exercice de mise en longueur, de mise en durée, de montée en généralité, comme l'a dit Alexandre Devecchio. Donc, normalement, il aurait dû établir ce qu'on n'a toujours pas réussi à avoir, sa vision. À la place, ce qu'on a eu, ce que dit Valérie est très juste, c'est un exercice de pédagogie. Avec l'explication sur l'Ukraine. Alors l'Ukraine, ça se trouve là, à côté il y a la Russie, et puis l'Arménie c'est là, là il y a le Haut-Karabakh, vous voyez la petite ligne blanche, enfin... Donc c'est ça qui est très frappant. Mais c'est un exercice réussi à ce niveau-là. Non, mais ce qui s'est passé cette semaine, c'est que là où il devait reprendre le lead et imposer une vision, en réalité ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fait le mieux d'ailleurs, c'est son exercice de professeur, où au fond, depuis le premier mandat, il nous explique ce qui se passe, mais il ne nous dit jamais où on va. Et c'est un peu pour moi là où il manque ce rendez-vous. J'espère que le deuxième rendez-vous sera un peu mieux travaillé de ce point de vue-là, pour justement établir sa vision. Parce que dans le débat politique français aujourd'hui, je crois qu'on sait à peu près où le RN veut aller, je crois qu'on sait à peu près où une partie de la NUP veut aller. La République En Marche, on a l'impression qu'ils veulent rester sur place, en fait. On ne voit pas comment... C'est le grand défaut de la campagne déjà. Vous êtes d'accord, ouais. Il n'y a toujours pas de cap, on n'avait pas mis de cap dans cette interview. Le cap, c'était d'être réélu pour poursuivre ce qui n'avait pas pu être fait, empêché par la crise du Covid. Donc c'est quand même un président qui est certes un bon pédagogue des crises. Ça, pour le coup, c'est vrai que dans les exposés, c'est souvent lui qui est le plus clair. Après, c'est un président qui est d'abord un gestionnaire de crise, donc savoir où il va, je pense que lui-même ne le sait même pas. Il a quelques lubies, comme la réforme des retraites, qui est plutôt un facteur de tension de la vie politique que de grands projets transformateurs, comme en était la promesse au début du précédent quinquennat. Et voilà, donc je pense que lui-même et ses troupes ne savent pas exactement, à part l'idée qu'il ne voulait surtout pas le céder le pouvoir, parce qu'il a l'idée de laisser une trace, ou en tout cas, il a encore cette ambition-là. Quelle trace, à part les espèces de mots valises un peu classiques, progressisme, un pays plus productif. Alors moi j'ai quand même vu une ligne, j'ai quand même entendu une ligne sur le dossier ukrainien. Emmanuel Macron nous dit qu'il faut continuer à dialoguer avec Vladimir Poutine. Ça c'est sa ligne depuis le début. C'est une ligne qui est tenable quand on voit les horreurs qui se passent actuellement en Ukraine. Vous avez raison. Ce qui était intéressant, c'est que lui, il imagine, il dit ne faites pas une croix sur la Russie. La Russie est à côté de nous. Et quand la paix sera enfin là un jour, il va falloir continuer à vivre avec elle. Donc ça, ça pourrait donner une espèce, le vision, c'est un petit peu fort, mais peut-être une espèce de projection, parce que c'est vrai qu'il est assez peu acteur de cette crise, en fait. À un moment, il a dit « je suis en responsabilité ». Pour un communicant, moi, ce que j'ai le plus entendu, c'est « je suis en responsabilité ». Il a voulu dire que c'était lui et que c'était lui. Sauf qu'en vrai, il est... on est un peu à la remorque. Alors, c'est vrai qu'on livre des canons César, c'est vrai qu'on peut en livrer de plus en plus, mais en vérité, ce n'est pas nous qui décidons. Et on se fait remercier par Zelensky avec une espèce de vidéo assez surréaliste pour lui dire « je t'aime ». Mais en fait, il veut quand même essayer de montrer la voie européenne entre... Parce qu'en fait, entre l'Ukraine et les États-Unis, l'Europe est coincée. Donc, il tente
de donner une voix un petit peu européenne, d'après-guerre en fait, et dans un nouvel équilibre mondial où il n'y aurait pas qu'un affrontement entre la Russie et les États-Unis. Je pense que c'est un petit peu ça qu'il a essayé. Oui, il a faire. Accusé de ne pas faire assez pour l'Ukraine. Il a annoncé la livraison de 6 nouveaux canons, César. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Il en manque, non, il en manque 3. L'armée est à il veut garder cet équilibre. C'est-à-dire qu'en réalité, moi je trouve qu'il a une ligne politique qui est plutôt pas mauvaise, qui est plutôt gaulliste, qui est l'idée que l'Europe doit justement être un point d'équilibre entre les deux superpuissances, si tant est que la Russie soit encore une superpuissance, mais peut-être demain face à la Chine. Mais le problème, est-ce que l'Europe et la France ont encore les moyens d'être des acteurs de leur destin? Ce qu'on voit, c'est finalement un président impuissant, une Europe impuissante à jouer les arbitres. Donc il dit je suis en responsabilité, mais en réalité il ne l'est pas. S'il veut être le meilleur élève des États-Unis et fournir le plus d'armes possible, bah, en réalité notre armée est à l'os, il ne peut pas le faire. Et si il veut rentrer dans les débats pour forcer finalement un processus de paix, aller vers de la négociation, ce qui pourrait être une ligne singulière qui nous distingue et à mon avis la bonne ligne, puisqu'effectivement là, les Russes seront nos voisins, pour l'être, il faut pouvoir peser. Aujourd'hui, on voit que ni la France ni l'Europe ne pèsent et donc ça joue. C'est une vision complètement testostéronée de ce que peuvent être les relations. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de faire les Américains en moins bien ou les Américains en plus. Il y a un gendarme du monde par sa puissance militaire qui est suffisamment contesté par son action ces dernières années, qui joue un rôle là à la demande des Ukrainiens quand même, hein, a priori. Il y a un pouvoir en place à Kiev, il y a des Ukrainiens qui se battent tous les jours. Ce qu'ils demandent, c'est pas d'arbitre, c'est qu'on les soutienne dans ce combat-là. Après, on n'est pas obligé de le faire. On n'est pas obligé, mais c'est quand même globalement le choix de l'Europe et l'ensemble des populations jusqu'à présent. Donc on peut aussi écouter ça. Après, dire que l'Europe est affaiblie dans cette crise, c'est pas vrai. L'Europe politiquement s'est réaffirmée comme jamais. Le couple franco-allemand, quoi qu'on en dise. Après, ça, on peut toujours se servir de l'actualité pour passer ses lubies. Mais fondamentalement, l'Europe s'est renforcée. Je pense que c'est de mauvais esprit que d'affirmer autre chose. Donc voilà, l'enjeu, ce n'est pas Emmanuel Macron tout seul dans cette crise. Ce qui était évidemment un enjeu pendant la campagne électorale, de le faire exister, de surexister comme un acteur majeur. Non, il était à la présidence de l'Union, donc il avait une fenêtre pour ça. L'enjeu, c'est effectivement quelle voie pour l'Europe, qu'elle soit médiane, la voie entre le jusqu'au boutisme peut-être des Russes et les Américains qui ont une culture plus, j'allais dire, guerrière dans ces moments-là. C'est évidemment un sujet, mais l'idée, c'est pas être dans la compétition de qui livre le plus d'armes. Et en revanche, évidemment, dire qu'il y aura que la fin se fera autour d'une table, certes, en attendant, c'est plutôt la guerre que la fin. Fabrice, sur cette ligne en même temps d'Emmanuel Macron. Pragmatique. Je crois que ce qui ressort des différentes interventions, même s'il y a des désaccords ici ou là sur le niveau de puissance et d'intervention de l'Europe, c'est malgré tout qu'on pense tous qu'à un moment ou à un autre, il faut arriver à une table. Quoi. Voilà, bon, je pense que c'est ce qu'il a dit. Mais est-ce que ça fait une vision? Je ne suis pas très sûr. Vous ne voyez toujours pas de vision, sur les dossiers internationaux. Moi, ce que je vois, c'est effectivement un président très pragmatique. Sur les conflits sociaux, il est pragmatique. Il faut que les acteurs sociaux puissent négocier. Si vraiment il y a blocage, à ce moment-là, le gouvernement intervient. C'est très pragmatique. Sur le dossier international, c'est pareil. À un moment ou à un autre, il faudra qu'on en arrive à un après-crise, que ce soit dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, que sais-je. Mais à un moment ou à un autre, c'est ceux qui font la guerre qui doivent faire la paix. Donc voilà. Après, c'est vrai que pour moi, ça ne donne pas une politique. Et surtout, ça ne donne pas d'orientation à la société française, ni même, j'allais dire, aux industries françaises. Je veux juste rectifier quelque chose qui a été dit, parce que c'est important, parce que c'est inexact. L'armée française est la première armée d'Europe. Il ne faut quand même pas se tromper là-dessus. Et sur tous les théâtres d'opérations, que ce soit en Irak, en Syrie et maintenant en Ukraine... Attends, je termine, Alexandre. On est toujours le deuxième fournisseur d'armes après les États-Unis. Certes, les États-Unis sont loin devant nous, mais nous, la France, il faut quand même... On a quand même des... Enfin, quand on fait un truc, il faut quand même le reconnaître. Et là, c'est un sujet que vous connaissez bien, vous avez été porte-parole, je crois, du ministère de la Défense. Oui, je connais un tout petit peu le sujet. Il ne s'agit pas de dire... On ne peut pas laisser dire que la France ne livre pas d'armes, ce n'est pas vrai. La France, vous l'avez rappelé, est déjà sur deux terrains d'opération, et donc forcément, comme elle est déployée ailleurs, elle a plus de mal à fournir des armes. Ensuite, c'est vrai, nous avons la meilleure armée encore du continent, mais elle est sur une pente aujourd'hui déclinante. Et encore, il faut compter l'Angleterre, qui est plus dans l'Union
Pen, mais qui a aussi une armée puissante. Donc tout cela est à nuancer. Et c'est dans un contexte où, en fait, l'armée européenne, c'est malgré tout l'OTAN et le parapluie américain. Une autre bataille, Alexandre. Une défense autonome, mais on y est. Nous avons compris, nous avons tous compris. On va parler d'une autre bataille. Une autre bataille, parce qu'ils veulent tous prendre sa place, ou plutôt sa suite. Lui, c'est Emmanuel Macron qui ne pourra pas se représenter en 2027. La bataille de la succession semble déjà bien engagée à l'intérieur même de la Macronie. Quand nos amis du Parisien demandent à Édouard Philippe s'il sera candidat en 2027, l'ancien Premier ministre répond « Oh là là, c'est encore loin, mais se préparer n'est jamais inutile ». Quand on pose la même question à François Bayrou, eh bien, écoutez sa réponse. Si vous pensez qu'un zozo quelconque peut dire 5 ans à l'avance ce qui va se passer, alors ne vous trompez pas, tout ça c'est des charlatans. Vous êtes prêt quoi ? J'ai toujours été prêt. J'ai déjà été candidat 3 fois, qu'est-ce que vous me racontez ? Bon, Fabrice, c'est nous, journalistes, qui faisons monter la sauce ou la bataille pour la succession, elle a déjà commencé. Non, il s'y est bien pris quand même. Là, Frédéric Aziza, il a réussi à faire sortir la phrase que Bayrou, je pense, ne s'apprêtait pas à dire. Mais donc, c'est ça la question. C'est, est-ce que c'est nous, journalistes, qui faisons une obsession, une fixette vraiment sur cette succession ? Il y a vraiment quelque chose qui se joue en commun. On est tous d'accord. On sait à peu près que sur la ligne de départ, il y a un certain nombre de personnes qui sont là, puisque Macron va être en principe empêché. Puisqu'il arrivera au terme de ce second mandat, donc théoriquement, il ne peut pas, sauf à modifier la Constitution, et à ce que vraisemblablement, il ne va pas faire. Je dis bien vraisemblablement. Là-dessus, d'ailleurs, on n'a pas de vision. Enfin, je ferme la parenthèse. Donc, là, on sait qu'il y a des gens qui sont sur la ligne de départ. On en a cité un avec Bayrou. Il y en a un deuxième dont vous venez de parler, qui est Édouard Philippe. On peut imaginer qu'un Bruno Le Maire, de temps en temps, ait une petite tentation. On peut imaginer qu'un Gabriel Attal soit déjà en train de mettre en place une équipe pour essayer d'avancer. Donc, Gérald voilà. Darmanin aussi. Voilà. On a Darmanin, voilà. Donc on peut imaginer qu'il y a tous ces gens-là qui se mettent. Non, mais Wauquiez, on ne le met pas dans la même aile que les gens de La République En Marche, Renaissance, Horizon. Enfin, on lui laisse son espace LR tranquille. Oui. Bon, donc, où il fera ce qu'il veut. Mais, on parle vraiment du macronisme. De l'autre côté, voilà, il y a ça. Mais la question qui me frappe, c'est qu'à nouveau, on dit est-ce que vous allez être candidat ? Mais je ne vois toujours pas de vision. C'est-à-dire que même quand je regarde Édouard Philippe, quand je lis Édouard Philippe, quand je regarde ce qu'il dit, il parle de quoi ? Il parle de dette, il parle de déficit budgétaire, il parle éventuellement d'âge de la retraite. Mais tout ça, pour moi, ça ne dessine pas une France. À la limite, même Macron donne un peu plus de vision que ses prétendants actuels, puisque lui, au moins, il dit « Moi, c'est l'Europe et je suis l'Europe et avec moi, ça va aider mieux », comme le dit Jonathan. Boucher-Petersen, à qui on va donner la parole, voilà. Justement, donc, sur ce sujet. Donc j'aimerais bien que les prétendants construisent des projets, qu'on puisse parler de quelque chose, quoi. Jonathan Boucher-Petersen, qu'est-ce que vous en pensez quelle est la question succession. Question ouverte. Voilà, le macronisme peut-il survivre à Macron ? On l'a intitulé comme ça, on utilise ce thème comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qui est le mieux placé ? Le macronisme, c'est Macron. Donc non, le macronisme ne succédera pas à Emmanuel Macron. En revanche, que ce courant de pensée qui est aujourd'hui formellement la droite au pouvoir, en tout cas une droite pro-européenne et à peu près libérale sur tous les sujets, qui d'ailleurs sur la première réforme qui est votée sur l'assurance chômage fait le plein des voix de LR, et globalement les orientations, après il y a des curseurs, mais l'essentiel des orientations n'a plus rien à voir avec la promesse de 2017, ça au moins le premier quinquennat aura soldé ce malentendu. Oui, après l'obsession elle est partagée, c'est-à-dire évidemment un président qui entame son second mandat, que ce soit Emmanuel Macron ou un autre, la question de l'après se pose, parce qu'il ne faut pas être naïf, ces gens-là ont des carrières à mener. Je ne suis pas sûr que ça passionne les Français, en revanche, qu'il y ait une obsession commune aux médias et aux politiques pour poser ce sujet-là dès maintenant, c'est sûr, c'est plus confortable, c'est plus intéressant, ça fait course de petits chevaux que de se coltiner un peu en profondeur les sujets tels qu'ils se posent ou les problématiques du pays. Voilà, de fait, on se rend compte que, comme disait Fabrice d'Almeida, c'est que l'essentiel des prétendants ou des impétrants sont à droite, mais comme les poids lourds de la Macronie aujourd'hui. C'est ça, pourquoi le macronisme n'engendre que des prétendants de droite aujourd'hui ? Parce qu'il est de droite. Ce que je trouve intéressant, moi, pardon, c'est lui, pardon. Non, non, non. Je sais pas, pardon. Je sais pas. Celui qui veut. La droite, Alexandre et Valérie on ensuite. Se tourne vers moi. Sur la droite, moi je suis pas sûr qu'il soit de droite. Je pense qu'il y a effectivement un espace politique partout en Europe pour un grand centre mou gestionnaire. Je ne crois pas que ce soit la droite. Moi, je crois d'ailleurs plus tellement au clivage droite-gauche. Je crois qu'il y a justement un clivage en Portugal, en Allemagne, entre des européistes technocrates.
qui peuvent parfois s'appeler sociaux-démocrates, hein, mais Emmanuel Macron était le principal conseiller de François Hollande, et entre François Hollande, Emmanuel Macron, Alain Juppé, moi j'ai peine à distinguer les différences, et c'est pareil à peu près dans tous les, pays. Quelqu'un comme Gérald Darmanin, Gérald Darmanin, il épousera la politique européenne, il ne sera pas dans une politique de rupture, donc il va prendre des accents sécuritaires, mais donc à vous un le moment donné, il n'ira pas défier les juges européens. Je le mets dans ce grand centre qui rassemble une partie de ce qui était de la gauche et une partie de ce qui était la droite. Effectivement, comme la gauche est radicalisée et à mon avis ne peut pas arriver au pouvoir, le débat se fait dans les grandes démocraties entre ce grand centre et des partis dits plus populistes. Donc après Macron, il y aura un nouveau gestionnaire, que ce soit Édouard Philippe ou François Bayrou. La question, c'est que même ce centre gestionnaire qui a souvent gagné les élections par défaut, d'élection après élection, on voit qu'il est de plus en plus contesté. Donc est-ce qu'ils vont pouvoir garder le pouvoir, et est-ce que d'une certaine matière, un nouveau Alain Juppé va pouvoir gagner? Ce qui est drôle, c'est qu'Alain Juppé, lui, a perdu toutes les élections, mais en fait, c'est sa ligne politique qui a triomphé à chaque fois. Valérie, est-ce que cette ligne politique va triompher? J'en suis moins sûr. Je pense qu'elle arrive en bout de course, mais elle sera sans doute au second tour. Croyez-vous, Valérie, au retour du clivage droite-gauche après Emmanuel Macron? Oui, j'y crois, et je trouve qu'il est déjà en train de se faire, en fait, pour vous dire la vérité. Parce que quand vous... Effectivement, il n'y a peut-être pas de vision au sein du macronisme, mais il y a des stratégies qui sont en train de se mettre en place et qui se dessinent. La première, c'est celle d'Édouard Philippe, qui clairement se met à la droite de la Macronie. Sa stratégie est clairement de se rapprocher de LR, d'où il vient à la base, d'ailleurs, avec des marqueurs comme il a parlé de la retraite à 65, 6 ou 7 ans, et il est clairement sur une vision de la droite de Macron associée à LR. A contrario, vous avez un François Bayrou qui s'est démarqué sur les retraites et qui a demandé qu'il n'y ait pas de passage en force d'Emmanuel Macron, et qui, dans un amendement déposé jeudi matin à l'Assemblée ou dans la nuit de mercredi à jeudi, et qui est passé, a demandé aussi qu'il y ait... sur taxation des dividendes. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour la... Ce que vous dites, c'est que chacun joue sa carte. Quoi, donc, ce que je suis en train de dire et que je trouve très important, c'est qu'au sein de la Macronie, pour moi, vous avez trois pôles. Vous avez le pôle de droite avec Édouard Philippe, vous avez le pôle de gauche avec François Bayrou, et puis vous avez quand même le pôle qui est à la manœuvre, parce qu'ils sont ministres, effectivement, qui sont Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Et je trouve que ça éclaircit l'horizon, que ça donne des lignes, et que ça peut être un semblant de retour à une politique de droite et de gauche, que moi, à laquelle je crois, parce qu'au fond, du fond, Jonathan a raison, le macronisme, c'est Macron, et ce n'est pas une politique. Fabrice veut dire quelque chose sur ce clivage droite-gauche, ce retour du clivage droite-gauche? Non, ce n'est pas sur ce clivage droite-gauche. Mais en fait, c'est sûr, j'allais dire, au fond, d'une certaine manière, la dégradation des niveaux politiques. Moi, j'ai toujours en tête la phrase de Mitterrand qui disait « Après moi viendront les petits présidents, les présidents gestionnaires ». Et en fait, plus on avance dans le temps, plus j'ai l'impression que cette prophétie se réalise. Non, je suis d'accord avec Fabrice. C'est un programme comptable, technocratique. C'est pour ça qu'il sans vision, est de gauche ou de droite. Comme un je crois aux forces de l'esprit. Merci François Mitterrand. Je ne vous quitterai pas. Le Covid, saison 8, ça repart très fort. Après des mois d'accalmie, on assiste à une hausse des contaminations et des hospitalisations. En conséquence, le gouvernement appelle à la vigilance face à cette huitième vague. Et justement, en a-t-il fait suffisamment preuve de vigilance, le gouvernement? Je parle de celui d'Édouard Philippe à l'époque de la première vague. C'est une question à laquelle la Cour de justice de la République devra répondre, puisque cette semaine, elle a convoqué l'ancien Premier ministre pour une potentielle mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui et abstention volontaire de combattre un sinistre. Devant les magistrats, la défense d'Édouard Philippe pourrait peut-être ressembler à ça. Écoutez. Pourquoi la prise de décision a tout de même été lente pendant cette période, on va dire, d'avant confinement? J'ai regardé votre agenda public de la première quinzaine de février. Quand on regarde votre agenda public, on trouve un certain nombre d'événements, de réunions, de rencontres qui sont relatives à la réforme des retraites. On en trouve beaucoup, beaucoup moins relatifs à la crise, à l'épidémie, qui arrive. Vous dites prise de décision lente. Je peux difficilement rentrer dans une querelle de date. Vous dites agenda public dans les deux premières semaines de février. D'abord, si je peux me permettre, monsieur le sénateur, méfiez-vous des agendas publics. Non, pas du tout qu'ils diraient des choses erronées, mais ils ne disent pas tout. Je pense que ne figure pas
à l'agenda public, c'est-à-dire à celui qui a vocation à être communiqué à la presse, l'ensemble des réunions et des rendez-vous que j'organise dans mon bureau. Ce que je sais, c'est que s'agissant du Covid, entre le 26 janvier et le passage à la phase 2, le 28 ou le 29 février, j'ai organisé et j'ai présidé moi-même 7 réunions. Voilà, c'était Édouard Philippe devant la commission d'enquête du Sénat. C'était en octobre 2020. Fabrice, il risque quoi, Édouard Philippe, sur un plan judiciaire et sur un plan politique ? Ben, il risque une mise en accusation, comme Agnès Buzyn en subit une, sur le même motif, le même mot d'ordre. Véran, à son tour, peut-être impliqué dans ce dossier. Il y a quelque chose qui est très, très frappant, si vous voulez, c'est que là, on a cette cour qui est un peu une cour particulière, oui, qui a une dimension mi-judiciaire, mi-politique. Mmh. Ils sont jugés sur quelque chose qui est pas du tout évident, quoi. Et ce qui me frappe aussi, c'est à quel point on réécrit une bonne partie de l'histoire. Parce que quand on regarde les dates, quand on regarde ce qu'ils ont fait, ce qu'Agnès Buzyn a fait, par exemple, Agnès Buzyn est la première au monde à tenir une conférence de presse sur le Covid fin janvier. La première au monde. Elle est la première au monde à mettre en place un comité d'analyse avec des rapports quotidiens. Elle est la seule au monde à constituer un stock de 100 millions de masques pour les soignants. Donc vous voyez, on pourrait dire des chiffres comme ça. Et en même temps, elle est la seule au monde inculpée devant une cour de justice de la République alors qu'elle était en fonction. Donc c'est très intéressant parce que au fond on a une perception qu'on réécrit. Mais moi je me souviens de Juvin par exemple disant que c'était rien, que c'était une petite grippette. Je me souviens de Blachier qui a changé d'avis plusieurs fois. Je me souviens de Raoult qui à un moment donné disait c'est rien, c'est pas une grippette, puis qui ensuite disait ah bah attention, ouais, j'ai la solution médicale. Enfin je me souviens de la cacophonie médicale et je trouve que les premiers qu'on devrait mettre en accusation quand même c'est l'ordre des médecins. Parce que quand même, ils ont laissé cette cacophonie de délire se poursuivre. Et résultat, un an après, ils viennent mettre en cause leurs collègues en disant « Pourquoi t'as dit ça à l'époque ?» etc. On va resserrer ça aurait été mieux que... ouais. Non mais c'est très le important. Le spectre de la question, parce que non, sinon c'est très long, c'est le Covid. C'est très important parce que, justement, est-ce qu'on maintient cette Cour de justice de la République ? Est-ce qu'elle fonctionne ? Est-ce que c'est un bon organisme ? Cet organisme qui fait des saisies permanentes, qui prend énormément des millions de documents, qui n'a pas les moyens de les traiter. Donc qu'est-ce que ça va être la justice qu'ils vont rendre ? C'est très curieux. Jonathan, sur cette question, voilà, responsabilité pénale ou responsabilité politique pour quelqu'un qui est en fonction, qui doit prendre effectivement des décisions face à une crise, qu'est-ce que vous en pensez de cette potentielle mise en examen d'Edouard Philippe ? Non, je pense, le cas d'Edouard Philippe et des ministres dans cette crise-là, je pense qu'il faut évidemment avoir de l'humilité par rapport à ce qu'a été l'émergence de cette crise Covid et que c'est plus facile rétrospectivement de pointer les manquements à grand cri d'orfraie, ça j'en suis tout à fait d'accord. Après, je ne pense pas que l'élection ou la sanction politique puisse être le seul juge de paix dans ce genre de situation. Donc il faut une éventuelle sanction pénale. Edouard Philippe, c'est le premier à dire qu'il trouve légitime le fait de pouvoir avoir des comptes à rendre sur le plan pénal. Après, évidemment que c'est un équilibre, il le dit lui-même. Donc après... Alors attendez, vous savez quoi ? On va vous départager, on va écouter justement Edouard Philippe qui parle de ce risque pénal et c'est un petit peu, c'est nuancé. La réponse d'Edouard Philippe est assez nuancée. Écoutez, c'était devant le Sénat. Dès que entre guillemets, la menace pénale apparaît, vous observez, ça n'est pas forcément une bonne chose, ça n'est même une très mauvaise chose, vous observez quoi ? Vous observez une plus grande difficulté pour un certain nombre de gens à prendre des décisions. Et donc, la volonté parfois de dire, bah écoutez, moi je pourrais prendre cette décision quand l'échelon du dessus aura éclairé de façon à... Et vous avez cette mécanique qui, progressivement, peut crisper, emboliser un système dans lequel beaucoup de gens doivent être amenés à prendre des décisions. Jonathan, en réaction. Bah ça, c'est le genre de réflexion qu'un ancien Premier ministre pose quand ça le concerne lui directement. En revanche, que l'ensemble des élus locaux, quand ils prennent toutes ces décisions, puissent être effectivement contestés, mis en cause, ça n'a jamais posé de problème et personne ne s'est jamais interrogé sur le fait qu'il fallait faire évoluer. Oui, mais c'est la première fois qu'on entend parler de ce sujet-là, en tout cas. Moi, je trouve qu'après, quand il y a eu un certain nombre de constructions qui ont été faites à la faute sur mer, par exemple, par des maires, en dépit de toute règle légitime de prudence, que des maires puissent être condamnés parce qu'ils ont mis en danger la vie d'un certain nombre d'administrés, moi, je trouve ça normal. Après, que ça devienne, j'allais dire, l'épée de Damoclès sur la tête de tous les politiques. Évidemment que ce serait une dérive qui poserait problème. Maintenant, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le cas. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait chaque semaine des politiques qui, parce qu'ils ont pris leur risque pour guider risque le pays, pénal, ouais, se retrouvent sanctionnés sur le plan pénal. Ça n'est pas vrai. Je rappelle qu'Éric Woerth a été relaxé par la même Cour de justice de la République il y a encore une semaine. Ça a duré un certain temps. Valérie.
Simplement, moi, ce que je voudrais dire... D'abord, je trouve, on dit tout le temps qu'on est dans un pays où la démocratie ne fonctionne plus. Là, je trouve qu'elle fonctionne parce que quand même, avoir le Premier ministre, les principaux ministres devant le Sénat, avec tout le boulot qui a été fait d'explications, de décryptage, etc., il faut quand même le saluer et rendre justice à notre démocratie à ce moment-là. Après, je suis tout à fait d'accord sur le fait que quelle utilisation on fait de ça derrière. Et l'éventualité d'un jugement pénal me semble tout à fait disproportionnée parce que tout simplement et tout bêtement, moi j'ai foi dans nos hommes politiques quand même et je me dis que Édouard Philippe et les autres, ils ont fait du mieux possible. Effectivement, alors il y a le sujet phare pour moi, c'est le sujet des masques. C'est-à-dire qu'on lui reproche d'avoir caché ou travesti le sujet sur le fait que la France n'avait pas de masque. Et il dit, mais au moment où je l'ai dit et je l'ai fait, je ne le savais pas. Donc là, pour c'est vous, compliqué. La responsabilité doit être d'abord politique avant d'être pénale, c'est ce que vous pour dites. Pour moi, oui, parce que c'est vrai ce qu'il dit, sinon ils ne font plus rien. Vous vous souvenez très bien combien de temps on a mis à sortir de ce confinement. Pourquoi? Parce qu'Édouard Philippe, il le savait déjà qu'il risquait ce truc pénal. Et comment vous voulez qu'il prenne des décisions et qu'il bouge s'il est en permanence sous la menace de se dire ben, je vais avoir une poursuite pénale parce que j'ai relâché les gens trop vite, parce que... On va... Attendez, mise en danger de la vie d'autrui, vous vous rendez compte? Agnès Buzyn, son métier dans la vie, c'est d'être médecin. Elle a le plus beau service d'hématologie à l'hôpital Necker à Paris, qu'elle a créé, et elle est mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. Est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est dans la vie de quelqu'un qui a donné son temps et sa vie à son pays, quand même? Il faut quand même le souligner. Alexandre. Non, mais il l'a dit en off, par ailleurs, Édouard Philippe, qui gérait son risque pénal. Et moi, si j'ai un truc à lui reprocher dans la crise, c'est justement qu'ils ont tous géré leur risque pénal. Ça s'est traduit par des politiques d'enfermement dont personne ne fait le bilan. Moi, je suis pas sûr que si on fait le comparatif avec d'autres pays qui ont été plus ouverts, on a eu moins de morts. Donc, je pense que cette immixation de la justice... Vous voulez dire, c'est une fébrilité à cause de ce risque pénal, oui, dans la gestion moi, de la crise. Je pense que oui. Et moi, ce que je demanderais aux politiques, justement, c'est effectivement d'avoir une vision et de faire de la politique. Et je pense que là, on est dans une confusion des pouvoirs. Il doit y avoir une séparation des pouvoirs et les juges, de manière générale, au-delà de cette affaire, font de plus en plus de politique et entravent l'action de ceux qui ont la légitimité populaire. Donc tout à l'heure, Valérie Lecap disait « la démocratie fonctionne bien ». J'en suis moins sûr parce que est-ce que la démocratie, c'est le gouvernement des juges ? Le boulot qui a été fait a bien fonctionné. Je ne sais pas pour vous attaquer, mais il y a un vrai débat aujourd'hui sur ce qu'est la démocratie. Il y a un vrai débat qui me tient à cœur sur ce que c'est la démocratie. C'est pas très nouveau à l'expression du gouvernement des juges. Est-ce que c'est le gouvernement des juges ou est-ce que c'est la souveraineté populaire ? Je pense qu'il faut des garde-fous, un bon équilibre entre les deux, mais depuis des années, les juges ont de plus en plus de pouvoir et je pense que c'est malsain et ça prive les politiques de marge de manœuvre. Et la question, Fabrice, dernier point, juste, comment on évalue ça ? C'est intéressant, c'est le bilan de la crise. Au début de la crise, on est très mauvais. On va avoir, à un moment donné, pendant un an, beaucoup de morts comparativement aux autres. Quand on fait le bilan aujourd'hui, on est mieux classé que les autres. On mieux classé que l'Allemagne, mieux classé que les États-Unis, mieux classé que la Grande-Bretagne, mieux classé que l'Italie. Donc, au fond, qu'est-ce qu'on leur reproche ? Alors qu'aujourd'hui... Au début, d'ailleurs. Non, mais oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'on leur reproche ? Bah, le retard à l'allumage. Le retard à l'allumage. Même avant la crise. Non, mais en plus, ils ne sont pas condamnés, encore une fois. Non, mais ça va durer 10 ans. À l'allumage, en fait. Après, ça va durer 10 ans. C'est là où il y a une espèce de folie. Ils ont un retard à l'allumage sur tous les sujets. Sur les gilets jaunes, sur les pannes d'essence, sur l'essence. Sur tous les sujets, ils ont. C'est ce qui les caractérise. J'ai dit ce que j'ai dit sur les juges, mais la Cour de justice de la République, ils vont être jugés par leur père. Et c'est vrai que généralement, il n'y a pas de condamnation parce que, justement, on se met à la place. C'est un peu une blague, cette Cour de justice de la République nous, mais de manière générale, l'irruption du pénal dans la politique, je trouve, n'est pas souhaitable. Il faut une vraie séparation des pouvoirs. Petite respiration dans cette émission, si vous voulez bien. On va redescendre un petit peu. On passe à la rubrique fake news ou pas. Je vous donne une info ou quelque chose qui ressemble à une info et vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. On va commencer avec ce sondage Ipsos pour Le Parisien. On a posé la question aux Français s'ils envisageaient de boycotter ou non la Coupe du Monde au Qatar. Ils sont près de 30%, 29,5% très exactement, à envisager de boycotter la compétition, sauf, nous disent-ils, si la France va en finale. La finale n'est pas un match qui se boycotte, nous disent-ils. Fake news ou pas, Jonathan ? Moi, je ne sais pas sur ce sondage-là, mais j'ai vu même des chiffres beaucoup plus importants. J'avais vu 52%. Si c'est la finale ?
Non, sur qui, la volonté qui disait qu'il pourrait bloquer, côté, mais qui en fait regarderait. Et voilà. Moi, je dirais que c'est vrai. On n'a pas vu de question sur la finale en particulier. C'est tout à fait possible. Ça montre une forme d'incohérence, mais c'est tout à fait possible. C'est une fake news, les amis. Pourtant, il y a eu des vrais sondages disant que 62% des Français étaient prêts à ne pas regarder. Mais la finale, là, on parle de la finale. Là, c'est la finale. Ah oui, mais vous ne suivez pas, Jonathan. Vous ne suivez pas. C'est le Gorafi. Allez, une autre information. Direction les États-Unis, où vous le savez, le droit à l'avortement est de plus en plus remis en cause. Là-bas, les conservateurs américains veulent favoriser l'adoption des bébés qui viennent au monde mais ne sont pas désirés. Pour l'encourager, certains proposent le recours au baby box. Je ne sais pas si vous connaissez. Il s'agit d'installer des sortes de grandes boîtes aux lettres pour y mettre le bébé. On les installe par exemple devant des casernes de pompiers. Ça permettrait à la maman de déposer son enfant tout en restant anonyme. Fake news ou pas, Fabrice? Nous, on avait le tour, rappelez-vous, devant les églises, aux portes des églises, on mettait le tour pour laisser les enfants. Ça me paraît tellement médiéval que ça doit être vrai. Vous avez regardé ma fiche? Non. Non. Jamais je n'oserais. C'est vrai? C'est une vraie information? Je dirais vrai aussi pour les mêmes raisons. C'est une vraie information. C'est le Texas qui a été le premier à mettre en place ce type de législation en 99. C'est ce qu'on a appelé la loi bébé Moïse. Allez, petite dernière, on a le temps en régie. Allez, on va partir sur Gérald Darmanin. Gérald Darmanin est-il en train de se gauchiser, Jonathan? Le ministre de l'Intérieur a en tout cas déclaré que s'il était électeur de sa circonscription, il voterait pour le communiste Fabien Roussel. Selon Gérald Darmanin, Fabien Roussel est, je cite, un homme sincère. Il ajoute que si la droite, c'est l'argent. Alors, de par mon patrimoine et ma terre d'élection, je suis le plus à gauche de la majorité présidentielle. Fake news ou pas? Non, c'est tout à fait vrai, mais je pense que c'est pas un signe de gauchisation, c'est un signe de trollisation de Gérald Darmanin. C'est-à-dire qu'en gros, on s'en fiche, enfin, fondamentalement, de savoir. Il voit bien que Fabien Roussel est un des éléments perturbateurs à gauche. Il voit quelques braises, il souffle. Il triangule, c'est ça. On dit ça. C'était chez vous. Je dirais, c'est effectivement qu'il a compris des choses. Je pense que le pays est socialement à gauche et à droite sur le plan sécuritaire ou régalien. Donc c'est la ligne qu'il va essayer de jouer, sauf que Marine Le Pen est déjà sur ce créneau-là depuis longtemps et que lui vient de LR, de LREM. Donc est-ce qu'il sera crédible dans ce rôle-là? J'en doute. Vraie information, et c'était une interview chez vous au Figaro. Est-ce le début de la fin pour la NUPES? Ce qui est certain, c'est qu'il y a des désaccords, des différences de point de vue sur certains sujets. D'ailleurs, les leaders des partis de gauche le reconnaissent désormais eux-mêmes. Exemple sur les violences contre les femmes et sur la marche contre la vie chère prévue ce dimanche. Les propos que j'ai entendus aujourd'hui de Jean-Luc, je ne suis pas d'accord avec la façon dont il prend cette histoire-là, voilà, qui à mon sens mérite d'essayer d'être compris du point de vue du combat que nous menons, c'est-à-dire la lutte contre les violences faites aux femmes. Mon absence, vraiment, je le redis, le 16 n'a rien à voir. J'aimerais bien qu'on puisse le comprendre et qu'on n'interprète pas à chaque fois. Mais je comprends que vous puissiez ne pas comprendre. Mais dites pas que je suis jamais là. Je suis à chaque fois présent. Je suis pas chez moi en train de faire du tricot. Je suis mobilisé à chaque fois. Jonathan, les jours de la NUPES sont-ils comptés? Il faut répondre par oui ou par non. Non, vous pouvez nuancer. Je pense qu'il y a un sujet. Il y a évidemment des sujets de dissension, mais je pense que tout cartel politique qui n'est pas absolument géré par un régime autoritaire à vocation à susciter du débat. Je pense que l'UMP l'a suffisamment donné l'occasion de voir qu'il pouvait y avoir des gens qui se rassemblent sur un commun et qui en même temps ont des nuances personnelles. Je pense que la majorité, on s'en rend compte de plus en plus semaine après semaine, qui pareil, rassemble des gens qui ne pensent pas pareil sur tout. Je pense que c'est plus facile, en revanche, quand on est dans l'exercice du pouvoir, comme la gauche plurielle à l'époque, de rassembler des gens qui ont certes des différences, mais une envie de gouverner ensemble, que quand on est dans l'opposition, avec la perspective, comme on l'a dit tout à l'heure, de la présidentielle, où chacun cherche à exister. Après, je pense que penser la NUPES à l'aune du positionnement de Fabien Roussel, c'est un peu passé à côté du sujet. Non, mais là, c'est Clémentine Autain, il y a Fabien Roussel. Ouais, mais je crois pas. Encore une fois, je pense que ce qui compte, c'est les électeurs, les gens qui ont considéré que la NUPES était un progrès par rapport à une gauche atone, par rapport à une gauche qui avait quand même du mal à se caractériser comme de gauche. Je pense que dans l'ensemble des élus locaux, l'ensemble des électeurs et des militants, la NUPES reste quelque chose qui est leur horizon et qui font vivre de façon quotidienne. Après, effectivement, on peut faire une liste de clash qui, quand même, souvent ont pour point commun trois personnages: Jean-Luc Mélenchon, Sandrine Rousseau, Fabien Roussel. Oui, clairement, les trois, dans des registres différents, sont des problèmes. C'est pas juste des clashs, il y a quand même des divergences de fond, Valérie, au sein de la NUPES. Pas plus qu'à l'UMP à l'époque.
Non, moi, sincèrement, depuis les affaires Bayou, Quatennens, etc., il me semble que les divergences entre les différentes tendances de NUPES, qui, comme vous l'avez dit, était une alliance électorale et purement électorale à la base, apparaissent au grand jour. On peut rajouter ce qu'a dit Olivier Faure concernant la marche de Jean-Luc Mélenchon, là, en disant... Ce dimanche, oui. Comme on a marché sur Versailles pour décapiter Marie-Antoinette, etc. Et pour moi, il est extrêmement clair qu'il y a un jeu politique très fort, parce qu'on a dit qui est-ce qui va être candidat à gauche, mais au sein de la NUPES, il faut dire qu'ils se voient tous aussi président de la République. Hein. Ils sont déjà tous en train de se positionner. Vous avez un Mélenchon qui dit qu'il n'ira plus, mais qui, en fait, ne rêve que d'y retourner. Vous avez Olivier Faure qui, très habilement, alors que le PS était en chute de vitesse, se dit ils vont tous se déconsidérer les uns après les autres, ce qu'ils réussissent assez bien à faire, je trouve. Et finalement, il n'en restera qu'un pour gouverner cet ensemble, et ça sera moi, et ça sera la nouvelle gauche de demain. Vous avez Sandrine Rousseau, qui est en train de se créer un personnage absolument hallucinant sur une fange peut-être très étroite de l'opinion, mais très engagée et très forte. Et Fabien Roussel, qui est le nationaliste, qui aime la France, qui aime, etc. Il y a plusieurs lignes, quoi. Donc, vous avez des personnages qui sont très forts, qui, pour moi, sont assez bons, hein, chacun dans leur domaine, en fait, et qui se positionnent, mais ils ne se positionnent pas collectivement, pour moi. Mais comme Manuel Valls et Martine Aubry, s'affrontent dans une primaire, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de la conflictualité et des identités politiques très différentes. Ça finit pas tellement France, différentes, France, en fait. Non, qu'est-ce qu'ils ont gouverné en France. Ça finit par la victoire de François Hollande, oui, Moi, je pense sincèrement que la NUPES ne peut pas gouverner ensemble. Je pense que c'est impossible. C'est vrai que ça a été très difficile pour la gauche, parce qu'il y a eu les frondeurs, vous avez tout à fait raison, mais pour la NUPES, pour moi... Ils ne sont pas d'accord sur l'Europe. Ils ne sont pas d'accord. Ils sont d'accord sur rien, en fait, en vérité, quand vous les regardez. Ils sont 50 propositions, mais ils sont d'accord sur rien. Alors, regardez. Non, ils sont d'accord sur rien. Mais, on va écouter François Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va émerger et qui pourra prendre la tête. C'est peut-être de la gauche de demain. Et peut-être François Ruffin, parce que le travail de dédiabolisation du RN inquiète certains, justement, dans la NUPES, à tel point que François Ruffin demande un changement de méthode. Ce lundi, il a déclaré la chose suivante: « Je n'ai plus envie de hurler sur les bancs de l'Assemblée nationale. Je l'ai dit au groupe, ça ne sert à rien. Ça renforce le RN. Je vais me sos-démiser. » Voilà, je le prononce bien. C'est un aveu d'échec, Fabrice? Non, je crois que... C'est devenir un bon social-démocrate. Non, mais je crois que lui aussi, il joue sa carte. C'est une personnalité absolument éminente qui a aussi son espace régional, national maintenant. Et je pense que lui aussi se voit bien en leader d'une coalition électorale. En fait, la difficulté pour toutes les coalitions électorales, ça a toujours été la même chose. C'était la même chose déjà dans les années 80-90, même pour revenir aux années 60. La gauche, dès qu'elle n'a pas d'échéance immédiate puissante, chaque groupuscule joue sa propre carte. Donc, il le joue parce qu'il y a la perspective des élections locales et que dans les élections locales, c'est crucial puisque c'est là qu'on va aller chercher du budget pour ensuite faire vivre les caisses du parti. Donc là, ils sont dans un temps qui... Que l'essentiel du financement de la vie politique se joue aux législatives ou justement... Aux législatives et aux présidentielles. Aux législatives, oui, en l'occurrence. Mais n'empêche que quand on peut s'appuyer sur une municipalité ou quand on peut s'appuyer sur un conseil général ou un conseil provincial... Vous croyez qu'à droite, c'est différent? Sauf que dans ces cadres-là, on se dit, comme on peut jouer localement, on peut tenter sa chance en se disant, j'ai un peu plus d'appui là qu'ailleurs. Alors que sur les grandes élections nationales, effectivement, si on veut passer les 5%, il va falloir une consolidation. Donc moi, je vois pas le sens de votre critique. Je la trouve non avenue. Donc ce que je vois, c'est qu'en gros, on est dans la même situation que dans les années 90 ou dans les années 60, et que face aux échéances locales et européennes, chacun veut jouer sa carte solitaire. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que veut dire François Ruffin quand il dit ça, quand il dit qu'il veut se sos-démiser, jouer donc le bon député social-démocrate? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais je pense que c'est un peu de l'ironie pour dire vous m'emmerdez à crier trop fort. Mais c'est un carton à Jean-Luc Mélenchon qui théorise le bruit, la fureur, la conflictualisation. La fureur, etc. Non, je pense que Ruffin joue même une carte... plus profonde que ça, c'est-à-dire qu'il essaie de s'adresser à un électorat populaire qui est plutôt parti au RN, et alors qu'il y a toute une partie de la NUPES qui a adopté un discours sociétal extrêmement radical qui plaît aux urbains des centres-villes. C'est d'ailleurs là où ils ont fait leur meilleur score, mais c'est la contradiction fondamentale. Au-delà des individualités différentes, c'est que Jean-Luc Mélenchon, par la force de son autorité, de son charisme, a réussi à réunir des sociologies qui sont quand même assez différentes. La banlieue et les centres-villes parisiens n'ont pas forcément les mêmes intérêts, la même vision du monde. Et tout ça tient plus une part de gauche social-démocrate qui
puisqu'il n'y avait plus de gauche, a fini par voter Jean-Luc Mélenchon, bah, c'était le seul candidat de gauche. Donc tout ça tient au charisme de Jean-Luc Mélenchon. Le jour où Jean-Luc Mélenchon n'est plus là, je pense que tout cela explose, mais parce qu'il y a des sociologies tellement différentes et des visions différentes, vraiment pour le coup. Quatennens, Ruffin, Corbière sont plutôt sur un logiciel deuxième gauche, qui d'ailleurs je respecte, qui est plutôt un logiciel social en direction des ouvriers, des classes populaires, etc. Et puis si on prend Autain, Sandrine Rousseau ou d'autres dont j'ai oublié le nom, je le redis, on est dans une politique pour Bobo, très axée sur les questions sociétales, où on est de plus en plus radical à chaque proposition, et donc c'est pas forcément compatible. De la radicalité. C'est pas forcément compatible, et donc ça tenait grâce au charisme et à la magie de Jean-Luc Mélenchon. Moi je pense qu'il va essayer de se représenter une quatrième fois. S'il n'y arrive pas, je vois pas un leader capable de coaliser ces électorats-là et ces personnalités-là. On peut pas exclure quand même qu'il y ait certaines personnes qui cherchent une vraie ligne social-démocrate, parce que ce démisé. Merci beaucoup. C'est pas facile. Hein, on peut pas exclure effectivement qu'entre le bruit et la fureur des uns et des autres, on va peut-être en reparler, mais que ce soit à gauche ou à droite, il y a aussi des personnalités qui essayent de reconstituer une gauche de gouvernement, c'est-à-dire une gauche plus apaisée, plus responsable, plus engagée. Mais c'est vraiment ce qu'il a, c'est ce qu'il a vraiment voulu dire. Je ne sais pas, mais vous dites. Non, j'essaie de comprendre ce qu'il a voulu dire. Très rapidement, Jonathan, expliquez-nous. Peut-être qu'il cherche une autre ligne aussi. Non, moi je pense que c'est pas une question de ligne, c'est une question de forme, c'est une question de façon de faire de la politique. C'est-à-dire que François Ruffin, on peut pas dire qu'il soit dans un recentrage sur le plan programmatique. Mais peut-être, parce qu'ils considèrent que les urgences sociales, les urgences écologiques appellent des solutions qui soient autre chose que la douce transition ou l'incitation un peu molle. Oui, il y a besoin d'une forme de radicalité sur la proposition politique. Mais crois pas que ça passe par la politique. Mais qu'en revanche, je pense que c'est pas qu'il n'est pas genre à revenir. C'est intéressant comme niveau d'analyse. Et juste, non, je pense que. On va revenir là-dessus. C'est Fabien Roussel, je crois, qui à la base pose la question de la viande, mais c'est pas grave. Mais c'est juste que je pense que ce qu'il veut dire, François Ruffin, c'est qu'il faut être radical sur le fond, parce que la situation l'exige. Et plus calme sur la forme. C'est une introspection personnelle. S'il y en a un qui a été quand même dans une espèce de vindicte très éruptive à l'égard d'Emmanuel Macron, avec des propos parfois qualifié d'outrancier, même par des gens qui l'apprécient, c'est lui. Donc c'est peut-être tout simplement l'âge de la maturité. Alors, de François Ruffin. Ouais. Peut-on tout dire au Parlement légalement? Oui, tout, ou presque, et cette semaine l'a encore prouvé. Regardez. Monsieur le maire, vous avez travaillé, il fut un temps, pour Dominique de Villepin, qui avait dénoncé la lâcheté de ceux qui refusent de défendre les intérêts de la France. Aujourd'hui, le lâche, c'est vous. J'ai l'honneur de demander des excuses solennelles au Rassemblement national pour avoir employé le terme de lâche à une personne qui a toujours fait preuve de courage dans son engagement politique depuis 20 ans qu'il fait de la politique au service de la France et des Français. Et je vous remercie. Il y a une liberté totale, en théorie, de parole à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Ça vient d'où? Est-ce qu'on en a besoin? C'est une tradition très ancienne qui revient aux origines même du parlementarisme français. Les représentants ne pouvaient d'ailleurs pas être poursuivis pour ce qu'ils disaient dans l'hémicycle. Donc vous voyez que ça rejoint le sujet qu'on avait eu sur la CGR. Mais il y a eu un moment où il y avait quand même un garde-fou qui faisait que dans les mots qu'on employait, on pouvait aller plus ou moins loin. C'est-à-dire qu'on pouvait faire de l'injure politique, mais de l'injure personnelle, c'était un peu plus compliqué parce que c'était une atteinte à l'honneur. Et une atteinte à l'honneur, à ce moment-là, ça engageait le risque de se retrouver en duel avec le type en face. On était à la fin du 19e siècle. Ça a continué. Le dernier duel, c'est Defferre-Ribière à la fin des années 50. Donc vous voyez que ça a perduré. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de sens de l'honneur. Il n'y a pas vraiment de duel. Je vois mal, d'ailleurs. Là, c'était quand même assez tendu dans l'hémicycle. Oui, mais enfin, je vois mal Bruno Le Maire, qui est un... Ouais, il y a eu le combat d'épée, oui. Ça a été éminent. Il est très courageux, peut-être, Alexandre Louvert. Mais ça ne se fait plus. Donc, d'une certaine manière, ils n'ont plus de garde-fous et ils peuvent se permettre de tout dire. Alors, au fond, la donnée principale, c'est celle du talent. Et de la phrase qu'on va retenir ou pas, parce que là, en l'occurrence, cette effectif, je ne suis pas sûr qu'elle reste durablement dans l'histoire. Alors justement, et irresponsabilité, vous l'avez dit, ne signifie pas impunité. Il y a des limites à cette liberté d'expression au Parlement. Le ou la présidente de séance peut infliger des rappels à l'ordre aux élus, par exemple en cas d'insulte. Écoutez.
Décidément, difficile de masquer un ADN xénophobe vieux de 50 ans, fêté encore tout récemment dans cet hémicycle. Madame Panossian, je me vois contrainte de prononcer un rappel à l'ordre parce que vous avez utilisé à la tribune le mot xénophobe à l'égard d'un parti politique. Je venais de rappeler qu'il fallait avoir une attitude respectueuse les uns envers les autres. Le rappel à l'ordre est-il un bon outil pour apaiser les débats? Deux invités sur ce plateau ne sont pas d'accord. Vous allez avoir vraiment pas du tout d'accord. Sortez votre épée. D'un côté Valérie, de l'autre Jonathan. Vous avez 45 secondes pour dérouler vos arguments. Qui veut commencer, Jonathan? Valérie. Oh, commencez. Oui. Valérie, vous avez 45 secondes. Oui, c'est un bon outil, ce rappel à l'ordre. Non, je trouve que ce que vient d'être dit par Fabrice est très important, c'est qu'on n'a pas le droit à l'injure personnelle. Et sincèrement, je trouve que depuis le début de cette législature, il y en a eu beaucoup des injures personnelles. On a beaucoup de débutants à l'Assemblée nationale qui sont députés pour la première fois, qui ne sont jamais venus, qui ont des idées très extrêmes et très arrêtées et très fortes. Et je ne pense pas que ce soit bon pour la démocratie d'insulter les gens toute la journée, alors que déjà, les Français ne respectent pas leurs élus. Donc peut-être que la présidente là, est allée un petit peu rapidement et un petit peu loin en s'arrêtant sur ce mot de xénophobe concernant le parti du Rassemblement national, ce qui n'était pas une insulte. Mais je trouve que sur le principe général, oui, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ordonne les choses. Oui, il faut que les gens puissent être sanctionnés, parce que ce n'est pas faire honneur à notre démocratie de passer la moitié du temps à s'insulter et à esquiver les débats de fond. Rappel à l'ordre, vous avez dépassé un peu votre durée impartie. Je vous donne ma main pour me faire taper. Jonathan, 45 secondes sur cette histoire de rappel à l'ordre. Non, mais moi, je pense que, pour le coup, elle est complètement sortie de son rôle, parce que si on veut une assemblée qui soit plus représentative, ça veut dire, par nature, une assemblée qui est possiblement plus conflictuelle. Donc, évidemment que l'invective, l'injure, ça ne doit pas être la nature du débat tel qu'on l'espère. En revanche, traiter, ou en tout cas qualifier le Rassemblement national de xénophobe, parce que je ne vois pas en quoi ça peut être répréhensible, ça peut justifier une réponse du Rassemblement national, ça ne me pose pas de sujet. Traiter de lâche un ministre dans un développement, honnêtement, non mais personne ne dit que ça doit être la norme des débats, mais je pense qu'il y a eu suffisamment, il y a beaucoup de propos qu'on entend quand on assiste au débat à l'Assemblée nationale, qui sont tenus à bas bruit, un espèce de caquettement assez foireux, souvent très sexiste, qui là mérite des rappels à l'ordre, parce qu'on est dans quelque chose qui est dans l'abaissement. Là, on est dans une espèce de, voilà, de conflictualité qui est pas du tout un problème. Je me souviens d'un Jacques Chirac qui, en 98, parlait d'un parti raciste et xénophobe en parlant du FN. C'est vraiment une insulte, le mot xénophobe? Non, mais en fait, je pense qu'elle s'est rattrapée parce que comme le Forum national a été, ou le Rassemblement national a été sanctionné pour le mot lâche, qui était ridicule aussi, hein. Franchement, Bruno Le Maire est ridicule. On peut parler de lâcheté politique. D'ailleurs, c'est pas une insulte, c'est une qualification de sa politique. Elle s'est rattrapée en disant, en mettant un point partout, je dirais, balle au centre. Mais moi, je partage l'analyse de Jonathan Boucher-Peterson. Pour une fois, je pense que dans la démocratie... C'est notable. Dans la démocratie, il faut de la conflictualité. Sinon, c'est pas la démocratie. Donc, le débat, même virulent, et même l'insulte, j'ai envie de dire parfois, même si on veut pas que ce soit la norme, font partie de la démocratie. Et je vais même dire, c'est cathartique, finalement. Si on veut pas que les gens se tapent dans la rue, faut aussi qu'on ait des vrais clivages. À force de vouloir tout aseptiser, d'être dans le politiquement correct absolu, on est en train de créer de la frustration chez les Français qui effectivement ne se sentent pas représentés et ont l'impression que les vrais enjeux ne sont pas pris à bras le corps. Alors je ne suis pas sûr que les vrais enjeux étaient dans cet échange d'insultes-là, mais ça reste l'exception. Hein, l'essentiel des débats se fait dans un climat qui est s'exprimer. Je ne vois pas en quoi ça fait plaisir aux Français que leur ministre de l'économie se fasse traiter de lâche de façon totalement gratuite. Il n'y a rien qui justifie. J'ai dit que l'échange n'était pas de haute tenue, mais ça fait partie de la vie. Donc, avoir une maîtresse d'école qui sanctionne... ça fait partie de la vie politique depuis toujours. Avoir une maîtresse d'école qui sanctionne comme ça, c'est ridicule. Il n'y a aucune démonstration, il n'y a aucun argument. Pour ce qui est de xénophobe, le Rassemblement national s'est parfois fait traiter de fasciste, etc. Finalement, xénophobe, c'est presque gentil. Alors moi, je regrette cette caricature à l'égard du Rassemblement national. Je pense que ça ne passe pas par du politiquement correct et une maîtresse d'école qui vient dire ce qu'on peut dire ou ne pas dire. Fabrice, moi, je vais même aller plus loin. Je trouve que Yaël Braun-Pivet sort du rôle traditionnel de celui du président de la Chambre des députés ou de l'Assemblée nationale. Au fond, les présidents ont toujours, et depuis la 4e et la 3e République, ont toujours joué un rôle, au fond,
non pas de modérateur, non pas d'arbitre, non pas de maître d'école, mais au fond de synthétiseur. C'est-à-dire qu'il laissait les gens s'exprimer. Il y a eu des injures énormes à l'Assemblée nationale contre Blum. On a utilisé des mots terribles, d'un racisme primaire. Donc c'était les années 30. On a eu des injures très très violentes à l'Assemblée nationale. Il n'y a eu qu'une sanction tout au long des années 80. C'est les quatre députés qui ont attaqué François Mitterrand sur sa Francisque. C'est le seul moment. Et François Mitterrand était chef de l'État. Et on considérait que c'était aller trop loin. Mais sinon, la parole était libre. Et je pense que cette tradition-là est importante. Et ça m'embête de dire que je suis pour une fois d'accord avec Jonathan Boucher-Pertapé. Décidément. Bah vous progressez. Qui a toujours tort. Boucher-Peterson a toujours tort. Je vous donne la parole. Je précise juste que Yael Braun-Pivet s'est excusée auprès d'Astrid Panosian en disant qu'elle n'aurait pas dû, mais qu'elle était obligée justement pour une forme de parallélisme des sanctions et pas qu'on puisse l'accuser de privilégier les uns aux autres. Avant de passer au top flop, je dois vous lire un droit de réponse que la France insoumise nous a transmis. Voici le droit de réponse de la France insoumise. La France insoumise condamne fermement les propos tenus par Brice Couturier le 24 septembre dernier. Il est intolérable de comparer un parti politique démocratique et républicain aux méthodes terribles du stalinisme, caractérisé par l'emploi de la force et de la terreur comme mode de gouvernement. Il est tout aussi insupportable de laisser entendre que la France insoumise serait une secte, alors que l'engagement de ses militants résulte de leur attachement à un programme, ou d'affirmer que ses dirigeants auraient des droits sur les militantes et en abuseraient pour obtenir des faveurs. Voilà, c'était le droit de réponse de la France insoumise qu'on devait vous lire. On va passer au top flop, parce que comme chaque semaine, on termine cette émission par un top flop. Je vous pose à chacun une question qui est très simple. Quelle personnalité a marqué l'actualité en bien ou en mal? Vous commencez, Fabrice, votre top, votre flop? Moi, vous savez, je sors un livre sur l'histoire mondiale des riches et pour moi, c'est cette semaine, c'est quand même un riche qui avait fait le plus beau flop, c'est Elon Musk, à la fois à cause des déclarations qu'il a fait sur la Russie et sur l'Ukraine, et puis aussi de sa position permanente de critique des ouvriers, des employés qui ne travaillent pas assez, et son sentiment de mise en surplomb par rapport au monde du travail. Et votre top? Alors mon top, c'est un peu paradoxal, mais je trouve qu'il s'en sort toujours très bien. C'est le président Xi Jinping. Vous savez, on va vers le prochain congrès et il va vraisemblablement être reconduit dans ses fonctions à la tête du parti et à la tête de la Chine. La seule question qu'on commence à se poser, si j'ai bien compris l'article du correspondant du Monde en ce moment, c'est de savoir s'il aura un quatrième, puis éventuellement un cinquième mandat. Donc il est plutôt au top, le père Xi. Jonathan, votre top, c'est Fabrice? Au top, c'est pas... Ouais, c'est ça, je suis en train de changer, là. Je suis saisi par la grâce. Flop, non, mais le flop, mais on en a déjà un petit peu parlé. Je pense que c'est Elisabeth Borne, mais c'est pas tant la personne que la chef de ce gouvernement. C'est un flop. C'est un flop. On a beaucoup dit dans le premier quinquennat que le macronisme manquait de capteurs pour sentir le pays. Là, je sais pas si c'est par aveuglement ou par manque de capteurs, mais encore une fois, voilà, cette tension sur les salaires, cette tension sur le partage de la richesse. Ils se le prennent de plein fouet avec la question des raffineries, ils ne l'ont pas vu venir, et aujourd'hui, pagaille. Valérie, votre top, votre flop? Mon top, c'est Laurent Berger, parce que je considère que dans cette crise sur la pénurie d'essence, il a une position extrêmement équilibrée et extrêmement bonne. Moi, je rêverais qu'il soit président de la République, ce monsieur. Oh. Non, sincèrement, il est en même temps... Il a de l'humanité, de la compassion, et il comprend parfaitement les revendications de hausse de salaire. Et en même temps, il est complètement opposé au blocage du pays. Et je trouve que c'est celui qui a le mieux tenu l'équilibre et la justesse de position pendant cette crise. Et votre flop? Alors mon flop, c'est le nouveau boucher, copain de Vladimir Poutine. Comment il le s'appelle? Le général Sourovikin. Exactement, Sergueï Sourovikin. Qui est l'ancien, qui a fait ses armes en Tchétchénie... en Syrie, etc., et que le président Poutine sort dans les circonstances perdues ou extrêmes, et qui a la réputation de tuer les civils, de ne pas avoir de règles, et qui a été à l'origine du lancement de tous les missiles sur l'Ukraine cette semaine. Et donc, ça montre où on en est dans cette guerre. Alexandre, même question, votre top, le flop? Mon top, ce sont les femmes iraniennes. Je trouve que leur courage est immense de lutter contre une dictature islamiste. Par ailleurs, elle donne à l'Occident, je dirais, une leçon de féministe. On voit ce que c'est lutter réellement contre le patriarcat quand on les observe. Et votre flop? Et mon flop, c'est l'Union européenne, le Conseil de l'Européenne, de l'Europe, qui prête l'oreille à une demande d'une association qui est d'interdire aux parents de mettre leurs enfants au coin ou de les envoyer dans leur chambre après l'interdiction de la fessée. Je pense que c'est la priorité, la très grande priorité politique du moment. Donc ça montre l'utilité
de l'Europe. Ouais. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous derrière votre écran. Merci, Président Larcher. On me crie dans l'oreillette que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et aussi à nous revoir en replay et en podcast. Alors merci, continuez. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même endroit. Bye bye. Thank you.